Pour moi, le labérage, c'est un totem, c'est un élément identifiable qui est aujourd'hui unique en France et qui permet de rassembler toutes les startups qui sont aujourd'hui toutes sur une envie de changer le monde du travail et d'améliorer le monde du travail. J'ai été confrontée au début de mon activité à une incompréhension de l'innovation dans le monde des RH. L'innovation était un peu oubliée et quand j'ai rejoint le lab à ses premières heures, j'ai été très contente de pouvoir partager cette énergie et de pouvoir amener une réconciliation, d'accélérer la réconciliation de ces deux mondes. Ce que j'attends du lab RH, c'est en premier du business et surtout concrètement le lab RH pour moi, ça doit devenir un vrai écosystème dans lequel on va pouvoir tous se connecter et proposer à la fin des solutions qui sont vraiment orientées sur l'expérience de l'utilisateur et l'expérience de l'entreprise, du collaborateur, du candidat, quelles que soient les étapes de la vie d'une personne, en tout cas, qu'on puisse être là pour répondre sur chacune de ces étapes via le lab RH.